Good morgen, allez, Iden, excuse aujourd'hui le Lunishmat avant Mordechai ben Yisrik ben Tanit Dvorah, Bat Esther, Maurice Moshe ben Sultana, et Moshe Michael ben Bachla, Rachel, si vous souhaitez, aussi d'idée une prochaine tuile de Mishnah. Contactez les 5 minutes éternelles, nous étions Massé Khatim, Amot, Perik Tedvav, Mishnah Yud. Nitan li Yavam bimdinat Hayam. Amra met Baali, Vacharkach met Yevami. Yevami, Vacharkach met Baali, Nehemenet. Alcha hi ou baala vivama nimdinatayam. Amra met baali vachakach met yevami. Yevami vachakach met baali. Eina ne emenet. Ve eina ne emenet. Sheena isha ne emenet lomar met yevami. Jetinase. Velo meta achoti. שתיכנס לביתו. ואין האיש נאמן לומר מת אחי, שייבם אשתו. ולא מת אשתי, שיישא אחותה. On va conclure maintenant la crédibilité de la femme qui nous raconte que son mari est mort. Comme on a déjà introduit, une femme ne peut pas se marier. Une femme qui va à l'étranger avec son mari, elle revient sans mari, elle nous dit son mari est mort, on ne peut pas la croire. Il faudrait en théorie deux témoins. Chachamim m'ont donné une dérogation de croire cette femme-là pour elle-même. Et à condition qu'elle ne change pas sa chazaka, c'est ce qu'on a vu dans les deux premières chaînes précédentes, c'est-à-dire que si elle était en... On va peut-être, selon son nombre de besoins, on expliquera ensuite. Et aussi, un point important, ça va être la fin de notre Mishnah, elle n'est crue que sur elle-même par rapport à se permettre, par rapport au fait que son mari est mort, mais pas permettre d'autres choses. C'est un peu le principe qu'on va avoir dans toute notre Mishnah. On commence à les prendre un après l'autre. Nitan li yavam bimlinat ayam. J'ai eu un yavam qui est née quand j'étais à l'étranger, c'est-à-dire qu'en fait, elle, Rachel, elle est partie avec son mari, Reuven. Mais mieux que ça encore, ils sont même partis aussi avec Yaakov et Léa, la femme de Yaakov, ils sont partis en France de la Rette. Ils sont partis à quatre en fait. Deux couples, le beau-père, la belle-mère, et elle et son mari, ils sont partis tous les trois. Et elle nous raconte, vous savez, quand j'étais à l'étranger, eh ben, elle a eu un beau-frère qui est né. Et après, son mari est mort alors qu'elle n'avait pas d'enfant. Amra met Baali, Vachakar met Yevami, après son Yavam il est mort. Ou encore, Yevami, Vachakar met Baali, ça fait une histoire un peu bizarre, mais je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de dire ça. Mais ou bien le quoi contraire, son Yavam il est d'abord mort, et après, Vachakar Baali, après son mari il est mort. Dans tous ces cas de figure, elle est née Emenet. Soit, elle, Rachel, la femme de Reuven. Nous, en l'état, quand il quitte le port d'Israël, quand il quitte Israël, elle est en l'état. Si jamais son mari mourait tout de suite, qu'est-ce qu'elle devrait faire? Elle devrait... Alors, s'il y a un Yavam qui est encore là, elle devra faire le Yiboum. S'il n'y a pas d'Yavam qui est ici, alors, en l'occurrence, on parle qu'il n'y a pas d'Yavam ici. Ouais, dans le Mishnah, ça va être... Il n'y a pas d'Yavam. En théorie, si son mari meurt, alors elle pourra se remarier avec n'importe qui, puisqu'il n'y a pas d'Yavam. Ce qui se passe, c'est qu'elle part maintenant avec ses beaux-parents. Elle part pour 4 ans, 5 ans. Et après, elle revient après 5 ans. Elle nous raconte en réalité, juste ils sont partis, 9 mois après, sa belle-mère a accouché d'un petit beau-frère. Très bien. Donc si son mari il est mort ensuite, elle doit faire le hiboum. Après, elle nous raconte, ouais, mais après le Yavam, il est aussi décédé. Soit il est décédé avant son mari, soit il est décédé après son mari. Dans tous ces cas de figure, elle vient nous dit concrètement, tu nous dis que tu veux te remarier, on va te dire tu peux te remarier. Parce que quand tu es parti, nous, selon les données qu'on avait quand tu es parti, si tu viens et tu nous dis que tu n'as plus de mari, tu peux te remarier avec n'importe qui. En l'occurrence, ça ne m'intéresse pas, tu es crédible sur tout ce que tu nous racontes qui s'est passé quand tu étais à l'étranger, dans la mesure où tu es cru sur toi-même, à condition que tu ne changes pas les données. Tu étais censé ne pas avoir de Yavam, donc tu n'as pas eu de Yavam. Peu importe pourquoi tu ne l'as pas eu, soit parce qu'il n'y en a jamais eu, soit parce qu'il y en a un qui est né, qui est mort. Il est mort avant, il est mort après. Aujourd'hui, tu me racontes que tu veux te remarier. Tu as le droit, tu es cru sur toi-même. À la différence du cas de Al-Khahi ou Bala Vivama Limidantayam. Si toutefois, elle est partie, ils sont partis à trois en route de la Rez, il y avait elle avec son mari Reuven, et à part ça aussi même son beau-frère Shimon. Donc pour le moment, qu'on soit clair, cette femme-là, elle nous dit qu'elle, nous, telle qu'on la connaît, si son mari meurt, qu'est-ce qu'elle doit faire? Dites-le. Le hiboum, nachon, si elle meurt, elle n'a pas d'enfant pour le moment, son mari meurt,
Si on voyait son mari Réhoven mourir, qu'est-ce qu'on lui dirait de faire? Tu fais le hiboum avec Shimon. Ok. Parfait. Elle revient maintenant, elle nous raconte. Al-Khahi ou Bala, Vivama, les médias elle est partie, elle et son mari et le Yavam, ils sont partis tous les trois à l'étranger. Et après, elle revient. Amra, Met Baali, Vachakach, Met Yevami. Elle nous raconte que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand ils sont partis en Amérique, là-bas, ou là où ils étaient, son mari est d'abord mort. Après, elle devait faire le hiboum. Mais son Yavam, il est aussi mort. Ou le contraire. Quand ils ont juste quitté le port, que déjà 2 semaines après, ils étaient en haute mer, le beau-frère, il est mort. Shimon, il est mort. Après, quand ils arrivent en Amérique, c'est son mari qui est mort. Donc maintenant, elle revient, elle nous dit, ça y est, elle veut refaire sa vie, se remarier avec quelqu'un d'autre. On va lui dire, mais non, madame, ça marche pas du tout, pourquoi? Donc, je refais ça dans les mots d'abord. Al-Khahi ou Bala Vivama, elle est partie, elle, avec son mari et avec son Yavam, à l'étranger. Amra, après, elle revient, nous raconte, Amra, elle revient, elle nous dit, Met Bali, son mari il est mort. Varakach Met Yevami, son Yavam, il est ensuite mort. Ou bien Yevami, Varakach Met Bali, son Yavam, il est d'abord mort, après c'était son mari. Dans tous ces cas de figure, Enan Emen. On va me dire, tu n'as pas cru. Désolé. Parce que toi, tu es cru pour ton mari. Mais alors là, c'est une règle, une première règle qu'on apprend. Maintenant, par rapport à face à qui elle est crue. Elle est crue pour nous raconter que son mari est mort. Mais elle n'est pas crue pour nous raconter que le Yavam, il est mort. Parce qu'en réalité, il est possible qu'en réalité la femme. Elle haït son beau-frère, elle n'a pas du tout envie de se marier avec lui. Elle est prête à prendre le risque de nous raconter que son beau-frère est mort pour refaire sa vie, quitte à ce que l'Yavam ensuite il va débarquer et puis il lui fera la khalitsa. Elle n'a pas d'attachement face à lui. C'est une femme qui vient qui nous raconte que son mari il est mort, on la croit. Là on a donné cette dérogation. Mais une femme qui vient qui nous dit que son Yavam il est mort, elle n'est pas crue. C'est ce que la Mishnah nous dit, en 2 mots. Donc elle était en chazaka. Son état initial, il est que si son mari meurt, elle va faire le hiboum. Et c'est ce qui se passe. Son mari, elle vient, elle nous raconte que son mari, effectivement, est mort, mais qu'en réalité, il n'y a pas de hiboum parce que son beau-frère, il était mort avant, ou il est mort finalement au final là-bas. En tous les cas, on ne la croit plus. Et la Mishnah nous conclut. Une femme n'est pas crue pour nous dire que son yavam, il est mort, pour qu'on lui permette de se remarier, parce que. Elle n'a pas d'attachement avec son beau-frère, il y a peut-être de la haine entre le beau-frère et la belle-sœur aussi, et du coup, elle va facilement mentir. Velo meta achoti, chez Tikkanes Ou encore, imaginez deux sœurs qui partent en Khouzaretz, d'accord, il y avait deux sœurs, Rachel et Léa, Rachel était mariée à Réhouven. Léa débarque, elle nous dit sa sœur Rachel, elle est morte. Et maintenant, donc, elle voudrait bien se marier avec son beau-frère Réhouven, ils ont le droit, si sa sœur elle est morte. Là, on ne va plus pouvoir la croire, parce que quand même, on a la dérogation. Pour la femme par rapport au fait qu'on veut la permettre à se remarier à n'importe qui, mais pas à permettre des situations d'inceste, pareil comme la belle-sœur aussi. Ou encore, donc c'est ce que la Mishnah nous dit, Velometa, Achoti, Shetikanesedabeto. Elle n'est pas crue pour nous dire que ma sœur est morte, et au point où elle va pouvoir maintenant rentrer dans sa maison, c'est-à-dire se marier avec celui qui était son beau-frère, le mari de sa sœur. Mishto. De même aussi. Imaginez deux frères Réhouven et Shimon, qui partent en Khouzaretz. Shimon débarque et nous dit, ouais, Réhouven, il est mort, le pauvre, sans enfant. Donc maintenant, il dit, Rachel, femme de Réhouven, viens, on fait le hiboum. Il n'a pas cru. On croit que la femme, pour se permettre. Mais pas personne d'autre. Velo meta ishti chez Issachota. Et de même aussi, il est parti avec sa femme. Il nous raconte que sa femme, elle est morte. Il aimerait bien maintenant se marier avec sa belle-sœur. On ne lui permet pas non plus. D'accord? Parce que la dérogation a été donnée spécifiquement pour la femme. Qui nous raconte que c'est son mari qui est mort, pas lui avant, son mari qui est mort, et à condition qu'elle ne change pas de statut. Voilà en fait le principe qu'on a vu dans les trois précédentes Mishnayot. C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Selah.